Lucie? Lucie? Ah. Et ça recommence. Oui, je recommence. Lucie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Peux-tu me dire ce qui t'arrive? Ah. Raph, mais qu'ai-je encore fait ce matin? Tu me poses la question, c'est à toi de répondre à cette question. Depuis que tu t'es levé ce matin, qu'as-tu fait de bon dans cette maison? Réponds-moi, qu'as-tu fait de bon dans cette maison? Tu restes assise là à te vernir les ongles et te limer les orteils. Pourtant, tu as laissé les habits bébés éparpillés partout pour venir t'asseoir ici. Non mais c'est pour cela que tu fais tout ce grabuche? Dis-moi, c'est pour cela? Dis-moi, comme tu as vu ces choses, si tu les avais ramassées, tu les avais rangées, qu'est-ce qui te serait arrivé? Tes mains se seraient cassées? Ou alors, peut-être, tu te serais transformé en femme? Tu es vraiment malade. Cette fois, je confirme que tu es cinglé. Mais est-ce que tu t'entends parler? Tu veux que moi, je me lève le matin et range les habits du bébé, alors que toi, tu es assise ici à te faire les ongles? C'est ce que tu attends de moi? Tu es réellement folle. Mais Lucie, tu es malade? Je vais au boulot. Je travaille dur pour prendre soin de cette maison. Tout ce qui t'importe, c'est t'asseoir et te vernir les ongles. T'arrives pas à t'occuper de ton enfant. Quelle charge de femme es-tu? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tu cries. Nous avons une domestique. Hein? Je ne comprends rien. Elle sera bientôt là. Elle s'occupera de tout. Tu es là à crier. Tu veux juste te gaspiller la voix. Tu ne fais que crier. Mais qu'est-ce qui se passe, Lucie? Mais pourquoi ça prend assez de temps? Tu m'as fait peur. Je m'en fous que tu aies eu peur. Toi, tu as toujours peur de tout. Qu'est-ce qui retarde mon repas? Je ne sais pas quel est ton problème ce matin. Mais les poêles et les marmites me cassaient les ongles alors que je les ai vernis ce matin. Tu te fous de moi? Lucie, tu es en train de plaisanter là? Écoute, tu sais quoi, hein? Pour qu'il y ait la paix, pourquoi n'irais-tu pas au travail? Quand Sylvia viendra, je lui demanderai de cuisiner un bon petit plat pour toi et de te l'apporter au bureau. Je dois aller au bureau, attendre que Sylvia arrive ici, cuisine un plat et me l'apporte au bureau afin que je puisse manger. C'est ce que je dois comprendre? Tu sais quoi? Laisse tomber. S'il te plaît, attends, je te cuisine déjà un truc, mais... Mais je suis déjà dessus. Mince. C'est plus la peine. Bonjour madame. Bonjour. Madame, vraiment désolée d'être en retard. Je devais voir mon directeur de thèse avant de venir. Tu as vraiment pris ton temps. En tout cas, tu es là maintenant, mets-toi au travail. D'accord madame. Merci madame. Madame. Le bébé pleurait. Je pense qu'elle a faim. Va donc la nourrir. Excusez-moi, madame. Je pense qu'elle a besoin du lait maternel. Si je te donne une claque, tu vas la nourrir? Dégage! Pardon, madame. Ça va. Calme-toi. Ça va, ça va. Pourquoi fais-tu toujours une montagne d'un rien? Elle a apporté le repas à ton bureau. Alors c'est quoi le problème? Lucie! Pourquoi n'écoutes-tu jamais? C'est quoi ton problème? Je ne mange pas de la salade! Elle a mis de la salade sur mon riz! Hey! Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes jamais? Est-ce que tout doit forcément être un problème dans cette maison? Elle a mis de la salade dans ton riz. Pourquoi ne pas juste retirer la salade et manger le riz? Et toi, t'en feras-tu exactement ton devoir d'épouse? Tu aurais dû préparer mon repas toi-même! Pourquoi ne fais-tu pas ton devoir? Tu attends toujours la nounou! Elle ne sait même pas comment j'aime mes repas. Mais toi, si. Le problème était la salade ou la domestique qui a fait ton repas. Comporte-toi juste comme une femme. Non. Je n'arrive plus à te comprendre.
Je ne comprends pas. Mais d'où sortent toutes ces marques? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et tu oses demander d'où sortent toutes ces marques? Alors que tu portes tous ces ongles aussi longs que ceux d'un crocodile. Et tu te demandes pourquoi il y a des marques sur ton bébé. Je ne vois pas le rapport. Si tu as fini de consulter le docteur, donne-moi le bébé. Ne fais attention de ne pas l'arriver. Donne-moi, je ne vais pas la réveiller. Qui est-ce? Ça doit être Sylvia. Regarde-moi sa peau. Elle a des marques partout sur le corps. C'est qui la photo de papa? La beauté de qui? Bonjour, monsieur. Bonjour, Sylviane. Oui, monsieur. Mon bébé. Oh, je vais à l'étage. Sylvia. Monsieur. Où en es-tu avec ta thèse? Pas très avancée, mais ça ira, monsieur. Je ne comprends pas. Ok. Vas-tu rester planté là, à échanger des plaisanteries, au lieu de porter mon bébé et aller la nourrir? Pardon. La nourrir? La nourrir? Bien sûr, elle ne va pas manger. Tu dois lui donner ton sang. De quel sang est-ce que tu parles? Que viens-tu de dire? Mais tu as deux seins. Pardon? Ah bon? Attends. Dis-moi, quand tu m'as rencontré, mes seins n'étaient-ils pas debout comme des soldats? Donc tu veux que je la nourrisse maintenant pour que mes seins ressemblent à des soldats blessés? Tu mens. Porte-la. Lucie, ne la tue pas. Peux-tu me dire ce qui t'arrive? À quoi te servent tes seins? C'est quoi ce genre de question? Ce sont mes seins bien fermes. Tu n'aimes pas les voir ainsi? Hein? Menteur. Pardon, va nourrir le bébé. Tu n'aimes pas les voir ainsi debout? À quoi donc te sert-il? Tu veux dire qu'ils te plaisent pas? Dis la vérité. Je n'en ai pas besoin. Menteur. Utilise-les plutôt pour nourrir ton bébé que de dire n'importe quoi. J'ai pas besoin de ça. Oh, s'il te plaît. Même les enfants dans les orphelinats, sont-ils nourris au sein? Non, mais ils se portent très bien. Et toi, tu veux que mes seins ressemblent à ça? Mensonge. Tu es là à raconter des bêtises et tu n'as même pas honte. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de tes seins. Va nourrir plutôt ton bébé. Menteur. Après, tu vas me déranger dans la nuit. Ok. On verra bien ce soir. Lucie, écoute,
Je suis allé en haut et j'ai examiné attentivement le bébé. Je voudrais vraiment que nous parlions de quelque chose. De quoi s'agit-il? Lucy, quand était-ce la dernière fois que tu as pris de ton temps pour bien prendre soin de ton bébé? Je suis inquiet car tu ne t'intéresses qu'à ta peau, tes ongles, tes cheveux. Quand était-ce exactement la dernière fois que tu t'es occupé de ton bébé? Mon cher époux, est-ce que tu as une idée de combien est-ce que je dépense pour mes produits de beauté? Tu le sais? Désolée chérie, je ne suis pas prête à laisser mes seins si fermes tomber. Raph, je l'ai nourri au sein pendant 3 mois. Ce n'est pas assez. Lucy, ton enfant a besoin de toi. Si tu n'étais pas prête à devenir mère, il fallait le dire. Et là, actuellement, ta vie ne sera pas aussi compliquée. Parce que là, ça se voit que c'est trop pour toi. Lucy, ce bébé a besoin de toi. Elle a besoin de ton lait. Et sa mère a besoin de prendre soin d'elle-même. S'il te plaît, maintenant dis-moi, quand tu m'as rencontrée, Lucy, cette grande, sexy, et tout en courbe, avec des seins gros et fermes qu'elle avait, ce n'est pas ce qui t'a attiré à moi. Ils ne peuvent pas tomber. Là, tu mens. Debout pour toujours. Lucy, tu plaisantes. Je ne veux pas de tes seins fermes. J'attends de toi que tu prennes. Je m'occupe très bien de mon enfant. Est-ce que c'est moi qui te demande de tes seins la nuit? Est-ce que c'est celui qui crie après toi, Lucy, chaque nuit pour avoir de ton lait par famine? Non. Donc, s'il te plaît, Lucy, utilise ton lait, je t'en prie. Cet enfant a besoin de toi. Utilise tes seins. Hey! Menteur! Hey! Tu ne demandes pas mes seins. Sans problème. On fera cela ce soir. Ok. Désolée, ma chérie. Désolée. Ok, ça va. Oh mon Dieu, viens là. Peut-être un peu plus manger. Viens là. Ça va aller tout au moment. Calme-toi, ça va aller. Calme-toi, bébé, ça va aller. Peux-tu me dire comment sont les femmes? Excusez-moi, monsieur, de quoi êtes-vous en train de parler? Je parle du changement. Comment est-ce que les femmes changent? Personnellement, je ne comprends pas. Elles n'étaient pas de la sorte avant notre mariage. Calme-toi, bébé, beau-tu. Elles n'étaient pas comme ça. Mais immédiatement après notre mariage, elle a changé. Elle s'est plutôt focalisée sur elle-même, sa peau, sur son vestimentaire et sur ses bijoux. Toutes les autres choses sont passées au second plan pour elle. Calme-toi, bébé. Je comprends. Elle finira par changer. J'en suis convaincue. Non. Comment peux-tu être si sûre? J'ai déjà tellement supporté ses caprices. Et je ne sais pas si je peux continuer ainsi. Mais monsieur, vous avez un enfant merveilleux. Il n'y a rien de plus beau que ça. Ne pleure pas, bébé. Sylvia, j'aurais voulu que tout soit aussi simple. Monsieur, regardez juste à votre petite fille. La joie qu'elle vous procure effacera tous vos problèmes. Focalisez-vous sur elle. J'ai compris. Gentille fille. Désolée, calme-toi. Monsieur, laissez-moi. Comme ça, laisse-moi la porter. Bébé, viens là. C'est pauvre, monsieur. Non, madame. N'importe quoi. Désolée. Assure-toi qu'elle arrête de pleurer. D'accord, madame. Désolée, ma petite. Tu es là. Donne-moi le bébé. Écoute, va à la cuisine et fais quelque chose à manger. C'est bientôt l'heure du dîner. D'accord, madame. Fais vite. Okay. Dépêche-toi. D'accord, madame. Hé, hey, bobo. Hé, hey, mon bébé. Tu veux dormir?
Lucie? Lucie? Qui est dans la cuisine? Patron. C'était toi? Oui, monsieur. Ah, je croyais que tu lessivais. Oui, patron. Mais madame m'a demandé d'aller d'abord préparer le dîner. Que tu ailles préparer le dîner? Oui. Tu fais la lessive. Tu nettoies la maison. Tu nourris le bébé. Alors qu'elle ne fait rien, elle t'envoie préparer le dîner. Et qu'est-ce qu'elle fait donc? Je ne comprends pas. Est-ce que vous parlez de... Nous parlons de toi, bien sûr. Hey. Donc, Raph, tu t'es associé à une simple nounou pour parler de moi. Je ne m'associe pas avec elle pour parler de toi, pour rien. Qu'est-ce que toi tu fais pour dire à cette fille de laisser ce qu'elle faisait pour préparer le dîner? Que fais-tu pour moi dans cette maison? En tant qu'épouse, que fais-tu pour moi? Allez, porte-la! Au lieu de rester là, écoutez. Pardon, madame, je m'excuse. Je la paye pour cela. Hein? Laisse-la faire son boulot. Tu la payes pour ça? Oui. Et toi, que fais-tu de bon pour moi? Hein? Tu ne fais rien pour moi dans cette maison, tu ne cuisines pas, rien. Même prendre soin de ta fille, tu dis je la paye comme si c'était avec ton argent. Tout ce que tu sais faire, c'est te poindre et regarder la télévision. Au juste, c'est quoi ton problème? Que fais-tu pour ton mari? S'il te plaît, juste arrête ça. Oui, arrête ça. La dernière fois que tu m'as demandé d'aller cuisiner pour toi, quand je voulais faire bouillir de l'eau à la cuisine, je me suis brûlée. Regarde, je suis encore en train d'essayer d'enlever cette cicatrice de ma peau. Mais ne t'en fais pas. J'ai pu trouver cette crème qui est... très efficace contre les brûlures. Ça va disparaître bientôt. Lucie. Tu n'as même pas honte d'en faire bouillir de l'eau. De l'eau. Et tu as peur de te faire brûler? Le mieux est que je parte. Et ne me suis pas. Je vais à l'étage regarder la télé. Ah, comme tu t'es brûlé. Tu devrais avoir honte de toi-même. Faire bouillir de l'eau. Je vais tout voir dans cette maison. Collins. Viens. Oh viens. Mon Dieu, tu m'as fait peur. Désolé. Qu'est-ce que tu fais là? Voyons, je t'attends ici depuis déjà. Vous avez fermé tard aujourd'hui. Oui, tu as raison, les problèmes de couple. Ils se disputent toujours? Ça devient pire. Honnêtement, je ne sais pas comment il fait pour la supporter. Elle exagère vraiment. Sérieux. Est-ce pourquoi mon bébé est stressé? Vraiment, Colis, n'eût été le salaire bien payé dont j'ai besoin pour ma thèse, j'aurais démissionné. J'en ai marre. Ce travail me rend... Calme-toi, d'accord? Calme-toi. Tu sais, tout ce dont tu as besoin maintenant, c'est un bon bain et d'un massage. Et plus, ce que tu sais. Oh, n'importe quoi. Allez, on y va. Ok, merci. Bébé. Bébé, viens te coucher maintenant. Bébé, tu es fatigué, comme moi. Viens te coucher. Bébé. Donc maintenant c'est bébé. Raph, à quand date la dernière fois que tu m'appelais bébé? Ou bien un autre petit nom dans cette maison? Quand? C'est Lucie à gauche, Lucie à droite, Lucie ceci. Maintenant tu en as envie, tu m'appelles bébé. Le, ne te fâche pas, s'il te plaît. S'il te plaît, viens te coucher, bébé. Tu comprends? Il se fait tard et j'ai remarqué que tu étais fatigué toute la journée. Je sais que tu étais assise toute la journée à te vernir les ongles, mais... Regarde tes yeux. Il se fait tard. Je croyais que tu étais occupée à cancaner sur moi avec la nounou. Maintenant, il est minuit. Tu veux que je vienne me coucher? Ce n'est pas toi qui as dit que tu ne demanderais pas mes seins? Ce
Ce n'est pas ce que tu as dit. Pourquoi tu me déranges? Je veux juste que tu viennes te coucher près de moi, c'est tout. Me coucher près de toi. Et puis je... Tu continues à parler? Non. Est-ce que je parle encore? Tu veux les deux, hein? Tu veux les deux oreillers, chérie? Ma Lulu? Laisse-moi ceci. Pas besoin. Ok. Ma Lucie et moi tout seul. La reine de ma vie. Wow. Oh oui. Tu es sérieuse? Bien sûr. Alors dis-moi, américain ou danois? C'est pas vrai. Ne t'inquiète pas, j'en parlerai à mon mari. Oui, je sais que j'ai un bébé, mais cela n'empêche rien. J'en parlerai à mon mari. Juste, assure-toi de mettre mon nom sur la liste, ok? Oui, sans faute. Tu sais, quand j'arriverai, comme la bombe sexy que je suis. Oh, ok, chérie, je te rappelle plus tard. Bye. Où est cette fille? Sylvia! Sylvia? Oui, madame. Madame. Qu'est-ce que tu fais? Je fais encore la vaisselle. D'accord. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. D'accord, madame. Je veux que tu ailles au supermarché et faire des courses pour moi. Tu dois cuisiner pour mon mari. Mais, madame, il se fera déjà tard. Je dois encore faire la lessive. Vous savez que la machine à laver est en panne. Quand je te paye, est-ce que je trouve des prétextes? Non, madame. Bien. Donc, si je te demande de faire la vaisselle, d'aller quelque part, de cuisiner, tout ce que je demande. Tu le fais, même si cela implique que tu partes d'ici à 22h. Est-ce que tu m'as comprise? Oui, madame. Bien. Maintenant, va à l'intérieur et travaille. Ok, madame. D'accord. N'importe quoi. Bébé. Il y a quoi? S'il te plaît, Dubaï. Bébé, tu peux arrêter de parler de Dubaï? Tu m'étonnes. Donc tu es prête à faire tes valises pour aller à Dubaï? C'est ce que tu veux faire? Bébé, mais oui. Bébé, on y vend de super produits pour la peau. Hein? Et j'aimerais en acheter quelques-uns, s'il te plaît. Donc, t'es vraiment sérieuse? Donc, tu veux partir de la maison comme la dernière fois où tu es parti en Suède pour acheter les produits et autres crèmes de la peau? Tu vas recommencer, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi est-ce que tu fais ça, hein? Pour toi, les moindres choses sont graves, hein? Dubaï qui est juste là derrière, à combien de minutes? Comme si tu étais ici à côté, tu n'as donc qu'à y aller à pied. Ah, oh, chérie. Pourquoi c'est si facile? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Arrête de faire ça. Pardon. Tu as un bébé. Qu'est-ce que je peux faire si toi tu n'es pas là? Hein? Tu veux faire tes valises et partir sans penser à nous, c'est pas bien. Eh bien, pensez-y. Écoute, apporte un troisième plat et viens t'asseoir et dîne avec nous, d'accord? Monsieur... Ne t'inquiète pas. Tes heures de travail sont terminées. Prends un plat et viens te servir. Il est normal que tu manges ici, d'accord? Va chercher ton plat et viens manger avec nous. D'accord, monsieur. Hein? Un de quoi? Et ne me parle plus de ton Dubaï, car tu n'iras pas. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, madame. Ah. Tu vois? Tu vois comment tu traites cette fille? Tu la traites comme une esclave. Elle a même peur de venir s'asseoir avec toi. Bébé, je te parle de Dubaï. Bébé, s'il te plaît. Parle encore de Dubaï, je te dis que je ne voulais plus entendre parler. Ah. Un simple Dubaï. Deux jours. Et je suis de retour. Prends la moto et va à Dubaï.
Oh, j'ai besoin de ces produits. C'est quel genre d'homme ça? Ah, hi. Et je lui ai promis. Hey, je lui ai demandé de mettre mon nom sur la liste des invités. Qu'est-ce que je fais? Et il n'est pas encore rentré. Oh, Collins. Allô, Collins? Hey, où étais-tu? J'étais chez toi à Grand-Fort aujourd'hui. Tu ne décrochais même pas ton téléphone. Oh, j'ai dû rester bosser tard. J'étais à ton travail et tu n'y étais pas. Ma quoi? Mais Collins, je pensais t'avoir dit de ne jamais y aller. Et ça m'a envoyé de me le dire maintenant. Où étais-tu? J'étais sortie avec mon patron. Il avait besoin de mon aide. Il avait besoin de ton aide avant 21h passée. Et sa femme ne pouvait-elle pas l'aider? Tu sais quoi? Collins. Attends, Collins. Collins. Oh, Dieu. Il y a quoi? Tu empestes l'alcool. Ferme-la. Où est le bébé? C'est la question que tu devrais me poser. Où étais-tu? Où j'étais? C'est pas évident de savoir où j'étais. Ah, je suis allé me saouler la gueule. Ouais, je suis allé boire. Car c'est le seul moyen de rester sain d'esprit dans cette maison. Et je vais continuer. Mmh. Oh oui. Juste parce que je voudrais aller à Dubaï pour un week-end. Mmh. Juste un week-end. Pour prendre soin de ma peau. Et c'est uniquement pour toi que je fais ça. Mmh. Pour être belle. Maintenant, tu me traites de folle. Mmh. Hey. Tu veux savoir où tu passeras ton week-end? Tu passeras ton week-end dans cette chambre. Et non à Dubaï. Tu apprendras à prendre soin de ta fille. Tu apprendras à t'occuper de cet enfant comme la mère que tu es. Ralph, s'il te plaît. C'est quoi ton problème? T'occuper de ton bébé est une mauvaise chose? Hein? Écoute, j'ai un scoop pour toi. Rachel sera là pour voir le bébé et elle arrive demain. Hein? Mmh. Quelle Rachel? Ta sœur? Non, ton lait de toilette d'Arabie. Rachel, ton ultra coûteuse que tu as l'habitude d'utiliser. Voilà les problèmes qui arrivent. Sylvia, tu as presque fini? Oui, monsieur. D'accord, c'est bien. Monsieur. Oui? Comment vous allez aujourd'hui? Bien,
Mieux. Le simple fait de savoir que quelqu'un d'autre arrive à la maison, ça fait toujours plaisir. Oh, vous attendez quelqu'un? Oui, ma sœur sera là bientôt. Je crois que c'est elle qui sonne. Ah, ok. Alors Rachel, comment c'était ton voyage? Stressant comme d'habitude. Mais tu me sembles encore plus stressée. Non, il va bien. Bébé, tu vas bien, n'est-ce pas? Je vais bien, Rachel. Tu vois? Tu sais, c'est nous qui devions prendre ce coup. Mange et repose-toi. Je suis pas une invitée, tu le sais. Hein. Sylvia? Oui, madame. Qu'est-ce que tu fais? Madame, je donne à manger au bébé. Je ne comprends pas. Où est Lucie? Il n'y a pas longtemps, quand elle pleurait, tu lui as donné ce truc. Est-ce qu'elle est orpheline? Où est sa maman? Madame, je ne sais pas. Je suis juste en train de faire mon travail. Qu'est-ce qui demande la mère? Oh, tu as disparu. J'ai presque cru que tu n'étais pas là. C'est quoi le problème? La nounou est là. Lucie, le bébé a besoin de manger. Et donc, c'est un animal qui nourrit le bébé là? Le lait maternel, Lucie. C'est ce dont le bébé a besoin à cet âge. Elle a pris le sein il y a 2 jours. C'est suffisant. Je ne comprends pas. Donc, il est censé y avoir un jeu spécial pour lui donner le sein? Hein? Si. Comme ça, tu n'es pas au courant. Les vergitures. Les seins qui tombent. Eh bien, ces bébés causent tout cela à leur mère. Lucie, t'es folle? C'est quoi ce raisonnement de taré? Je ne te comprends pas, Lucie. Le bébé a besoin de manger quelque chose. Tu l'aimes pas maternelle. Encore! Pas encore! Ah, ah! Le frère, ensuite la sœur. Des casse-pieds. Seigneur. Ah, bon sang. J'ai besoin de prendre de l'air. Vraiment. Sylvia, enlève ce truc de sa bouche. C'est pas croyable. Si tu n'étais pas prête à accoucher, pourquoi est-ce que tu es tombée enceinte alors? Tu dois manger davantage. Fais l'effort de manger encore, ok? Salut. Oh, non chérie, je dois appeler. Oh, non, j'ai reçu le produit. Ma chère, je te l'aurais dit. Tu sais qu'il a enlevé toutes mes taches, tous mes boutons. Ton produit est vraiment super. Ma chère, je t'en achèterai encore plus. Je te rappelle plus tard, s'il te plaît. Oui, je le ferai. D'accord, bye. Il est 16 heures passées, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Et? Mon frère, ton mari sera bientôt de retour. Tu dois cuisiner. Écoute, tu vois cette fille là-bas? Je la paye pour faire un tas de trucs dans cette maison. Par bonheur, la cuisine en fait partie. Donc tu permets à ta nounou de cuisiner pour ton mari? Alors, tu veux dire que le repas que j'ai mangé hier a été cuisiné par... Oh, bien sûr que ça l'était. Tu n'as pas apprécié? Oh! Écoute, tu n'as pas à t'en faire. Elle aura bientôt fini avec la lessive et elle cuisinera. Donc, Sylvia cuisine dans cette maison. Elle s'occupe de ton bébé, de la maison. Et en ce moment, elle fait la lessive. Ce sont les tâches domestiques d'une épouse. Et aussi du nounou. Écoute, est-ce que tu peux juste te calmer? Si ton frère rentre et que le repas n'est pas encore prêt, probablement il lira un journal ou autre en attendant. Vraiment? Ok. Ralph, le pauvre. Ah, où en étais-je? Oh, je dois l'appeler. Allô? Oh, je suis de retour, désolée. J'ai été distraite par quelque chose. Sorry, Ralph. J'en ai marre de ta femme. Vraiment, je ne comprends pas. Tout ce qu'elle fait dans cette maison, c'est d'essayer de divers produits pour la peau. Elle ne fout rien.
C'est la nounou qui fait essentiellement tout dans cette maison. Tu devrais lui parler. Tu es l'homme dans cette maison. Sérieux, regarde autour de toi. Raz, ton mariage bat de l'aile. Tu dois arranger les choses. Donc tu penses que j'ai pas essayé? Non, tu crois que j'ai pas essayé? Elle se comporte de la sorte parce qu'elle sait que jamais je ne me rabaisserai pour la frapper. Laisse-moi lui donner une leçon, laisse-moi lui parler. Elle est incroyable. Elles, ce sont les huiles éclaircissantes, les huiles de carottes décapantées éclaircissantes, les crèmes adoucissantes, les savons éclaircissants. Vraiment, je suis dépassée. Que de produits coûteux. Elle importe même d'autres. Ralph, elle travaille? Non. Comment obtient-elle l'argent? Je l'ignore. Ça ne me dérange pas, donc oublie ça. Que cela ne te perturbe pas, d'accord? Ralph, ça ne te dérange pas? Regarde-toi. Tu es ici, à minuit passé. Tu es censé être dans les bras de ta femme. À dormir paisiblement, comme un mari comblé. Mais non, Ralph, tu es perturbé. Tu ne vas pas bien, ça ne va pas. Rach, est-ce que tu peux essayer de te taire? Ça va, désolé, je suis habitué. Je me fais seulement du souci pour toi. Ça va, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais tout ira bien. J'ai juste quelques soucis au bureau, c'est tout. Regardez ça. C'est deux. Ok. Ça. Là. C'est pas mal du tout. C'est vraiment très bien. C'est rien, monsieur. Mais non, c'est pas rien. Il s'agit d'un des problèmes les plus difficiles que l'on puisse rencontrer en comptabilité. Et là, je t'ai vu le résoudre avec tant de facilité. Waouh. C'est rien, monsieur. Vraiment, c'est rien. Waouh. Quel est ta moyenne annuelle? Environ 4,37, par là. 4,37, c'est pas mal du tout, je t'assure. C'est super. Tu sais ce à quoi je pense? Je crois que toi, tu es prête pour ton mémoire. Merci. Ne crains rien. Vas-y, fonce, tu es prête. Tu es vraiment prête. Avec ça, je crois que tu es prête. Merci, monsieur. Ça, c'est vraiment incroyable. Monsieur, je dois y aller maintenant. Les autres vont bientôt descendre. Oh, je dois oui. apprêter la table. Sans souci. Désolé. Waouh. Elle est incroyable. Bonté divine. Lucie, tu es ici et ton enfant hurle. Tu ne t'aimes même pas à la porter. Je cherche à savoir ce qui ne va pas. Je m'occupe de mes ombres. Vraiment? Écoute, tu dois arrêter ça, s'il te plaît. Ces conneries doivent cesser, Lucie. Tu calmes. C'est à moi que tu parles. Oui, je te crie dessus. Tu as perdu la tête? C'est à toi que je devrais demander cela, Lucie. Je suis figurée. En tant que femme, tu ne fais rien de bon. En tant que mère, zéro. Tu es absolument nulle à chier. Écoute, si tu savais que tu n'étais pas prête à avoir un bébé, pourquoi est-ce que tu as accouché? Pourquoi avoir eu cet enfant? Nul était le fait que tu sois en train de porter mon enfant. Ça va. Rachel, je t'aurai scellé une bonne gifle. Comment oses-tu? Essaye. C'est très facile pour toi de rester là et me juger alors que tu es divorcée. Écoute, si tu n'arrives pas à me supporter, pars de chez moi. Retourne dans la maison de ton mari. Ne me parle pas de la sorte. Comment suis-tu venir chez moi et me dire quoi faire? Retourne dans la maison de ton mari. Plus jamais. Retourne dans la maison de ton mari. T'as même pas honte.
Bon Dieu divine, c'est pas vrai. Ce bébé hurle et tout. Pourquoi ne l'as-tu pas porté? Je te le ferai payer, madame. Ces conneries doivent cesser, Lucie. Ça doit cesser. Ce gars est vraiment hilarant. Rachel, qu'as-tu fait? Tu as sifflé ma femme? Oh, je voulais juste lui donner une bonne leçon. Figure-toi qu'elle a laissé ton enfant presque pleurer à mort. Mais je t'ai demandé de rester en dehors de ça, n'est-ce pas? Ralph, toi et moi savons que ton bébé innocent n'a rien fait pour mériter ça. Elle a même osé me jeter l'échec de mon mariage en plein visage. Écoute, écoute-moi. Je dois aussi rester en dehors de ça. Tu n'as aucun droit de venir chez moi et de te mettre en colère. Et aller jusqu'à frapper ma femme. Tu n'as pas ce droit. Oui, Rachel n'a aucun droit. Je n'ai aucun droit, oui, Ralph. J'essaie seulement de... Rachel de... Reste en dehors de ça. Ok, très bien. Je ne pense pas que tu comprennes cela. J'essaie juste de... Je m'en fiche. Reste en dehors de ça. Ok, c'est d'accord. Je vais arrêter d'être cette Rachel en kikineuse et divorcée. Et je vais m'occuper de mes oignons dans cette maison. C'est bien. D'accord. Je ne sais même pas pourquoi je suis venue ici. Tu es désolée? Non, 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 non. Ça, ce n'est vraiment pas ce que je veux entendre en ce moment. Mais tu sais que je ne peux pas te dire ce que tu veux entendre maintenant. Je ne peux pas laisser mon boulot. Mais bébé, tu m'aimes aussi, non? Je ne peux pas. Je ne t'ai pas vu depuis des jours. Je ne te vois plus ces derniers temps. Je veux dire, ce n'est pas cela que je m'attendais quand tu as pris ce boulot. Collis, je ne peux pas. J'ai mes projets à réaliser et tu le sais. Si je laisse ce boulot maintenant, je n'aurai plus d'argent pour financer mes projets. Mais tu m'auras à moi. Tu m'auras à moi. Ne sois pas ridicule, Collins. Allez, ça fait 4 longues années que j'attends ce moment. Je ne peux pas juste abandonner. Écoute, cette famille me paye super bien pour mes services. Et ils te retiennent jusqu'à la nuit. Cette famille a besoin d'aide. Ils ont besoin de moi, c'est pourquoi je... Écoute, tu sais quoi? Tu peux continuer les idées autant que tu veux, d'accord? Collins. Tu sais où me trouver quand tu reviendras à la raison. S'il te plaît, ne parle pas comme ça, Collins, arrête. Collins! Je ne peux pas laisser ce boulot maintenant. Essaye de comprendre. Je suis en train de te parler et tu regardes ailleurs. Que veux-tu que je dise? Lucie, regarde le message de la banque. Lis-le. Tu as dépensé combien? 350 000, plus 57 000, plus 27 000. Rien que sur les produits de beauté que tu utilises. Putain de merde, Lucie. Mais comment as-tu pu faire cela? Mais c'est notre compte. Quand toi tu fais des retraits, est-ce que je te pose des questions? Tu n'as aucun droit de poser des questions car c'est moi qui la provisionne. Je gagne durement cet argent. Mais regarde le montant que tu as dépensé juste en 2 semaines. J'en avais besoin. Je devais acheter mes produits de beauté. Je veux que ma peau soit éclatante. Ralph, je dois continuer à être la même que j'étais avant que tu ne m'épouses. Je dois marcher dans la rue et faire tourner des têtes. Lucie, tu réalises que tu es mariée avec moi? Oui. Et si tu continues ainsi, nous serons totalement ruinés. 500 000 de dépenses pour des produits de beauté en 2 semaines. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la folie! Ce compte nous appartient à tous les deux. Et de plus, tu as dit que je pouvais utiliser cet argent quand je voulais. C'était avant que tu perdes la tête. Et là, je m'inquiète pour notre famille. Et si je te laisse continuer ainsi, tu détruiras notre famille. Et tu sais quoi? Demain, très tôt, j'irai à la banque pour te retirer de ce compte. Ah bébé, tu ne peux pas faire ça. Je le ferai. Non, tu ne peux pas faire cela, chérie. Et si tu veux dépenser de l'argent pour tes crèmes danoises, tes parfums arabes et tes lotions américaines, va chercher un travail et là, tu pourras dépenser autant que tu veux. Tu ne gaspilleras plus mon argent. Ça devient quoi au final? Ah, pourquoi tu t'y pingres? Une simple lotion, 20 000 naira. Pendant que les maris des autres leur donnent 500 000.
1 million pour acheter leurs produits. Tu n'as pas intérêt à me retirer de ce compte. Hey! Rachel? Rachel! Lucie. Lucie? As-tu vu ma sœur? Elle n'est pas dans sa chambre et ses affaires n'y sont plus. Oh! Tu ne vois pas que je suis en train de regarder une émission intéressante à la télé? Ah. Sylvia. Monsieur? As-tu vu Rachel? Oui, monsieur. C'est elle qui m'a ouvert la porte lorsque j'ai frappé. Mais elle est partie quelques minutes après. Tu veux dire qu'elle est partie? Partie de la maison? Oui, monsieur. Avec elle ses est affaires. Partie. Oui, monsieur. Merci. Merci. Tu sais quoi, Sylvia? Quand tu termines de faire ce que tu fais, rejoins-moi à la piscine. S'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides à faire un truc. Compris? Tu m'as compris? Ok, d'accord. Hein? Hein? Je rêve ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? À la piscine! Sylvia! Madame! Qu'est-ce que cela veut dire? Vraiment. Mon propre mari. C'est très bien. Madame, avez-vous besoin de quelque chose? Ai-je besoin de quelque chose? Oh, oui. Madame, je peux aller vous le chercher. Oh oui. L'attention de mon mari. Pardon, madame. Tu sais, tu deviens très proche de mon mari ces derniers temps. Et je suis en train de te demander innocemment ce qui se passe. Madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Car ce boulot est strictement professionnel. Strictement professionnel? Et tu te permets de rire avec mon mari? Sylvia, je te paye une grosse somme d'argent pour prendre soin de mon bébé, nettoyer cette maison, cuisiner, t'occuper de la lessive. Maintenant, dis-moi, quoi dans cette liste inclut de plaisanter, de rire avec mon mari? Dis-moi. Je suis désolée, madame. Sois désolée pour toi-même. Écoute, reste loin de mon mari. Sinon... Oui, madame. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas. Mais quel genre de femme est-elle? À la moindre petite chose, elle irrite tout le monde et elle se plaît à mettre tout le monde mal à l'aise dans la maison. Elle ne me permet vraiment pas d'être en paix ni... Monsieur, vous allez bien? Sylvia, je vais bien. Écoute, j'ai quelques projets sur lesquels je bosse et la charge de projet est tellement énorme. Donc, j'ai besoin, vu que tu t'y connais dans mon domaine, que oui, tu monsieur. Me donnes un coup de main sur quelques dossiers. D'accord, monsieur. Donc, avant que tu ne rentres chez toi ce soir, fais-le-moi savoir. Je te donnerai un dossier à emporter chez toi et je te dirai quoi faire exactement. Quand tu reviens le matin, tu me les remets et je vérifierai pour toi si tu peux les présenter. Pas de problème. Ok, pas merci. De problème, monsieur. Tu es ici, à rire. Tu n'as pas une maison à nettoyer? Pardon, madame. Qu'est-ce que cela signifie? La signification de quoi?
Est-ce que je lui donne une aussi grosse somme pour venir rester ici et rire avec toi? C'est ça? Lucie, écoute, est-ce que tu peux arrêter ces conneries? Elle travaille pour nous deux. Tu m'entends? Et en passant même, quelle heure est-il? Il est presque 18h. Et? Il est temps pour elle de partir d'ici et rentrer chez elle. Pardon, monsieur, je dois... Non, écoute-moi. Très bien. Va à l'intérieur. Fais le reste des tâches que tu as encore à faire ici, d'accord? Dès qu'il est 18h, je veux que tu partes de cette maison. Pas une minute de plus dans cette maison. Tu m'entends? Tu m'entends très bien? Oui, ok, monsieur. Vas-y. Pardon. Assure-toi que tu mettes de l'ordre dans toute la maison. Mettre de l'ordre dans la maison? Lucie. Quoi? Elle est ta nounou et non ton esclave. Pourquoi ne prends-tu pas souvent soin de ton propre enfant? Examine le bébé et vérifie si sa couche est mouillée ou non. Vérifie si le bébé a besoin d'une réchange. Pourquoi ne fais-tu pas cela? Tu es la mère de cet enfant. Écoute, je viens juste de mettre une lotion arabe sur ma peau. Et elle vient de Dubaï. Je ne peux pas toucher les couches souillées du bébé. Tu viens de mettre une lotion arabe sur ta peau. Eh bien, utilise les gants. C'est pas vrai. Utilise les gants vu que tu ne peux pas toucher les couches mouillées de ton bébé. Vu que tu as mis une lotion arabe sur ta peau, tu ne peux pas porter ton bébé. Utilise les gants. Comme tu es une scientifique. Sylvia, assure-toi de bien nettoyer le bébé. Sinon, gare à toi. Donc, maintenant tu m'ignores. J'ignorais? M'as-tu parlé et je ne t'ai pas répondu? Raph, que se passe-t-il? De quoi parles-tu? Sylvia. J'ai vu la manière avec laquelle tu la regardes. Tu ressens quelque chose pour cette fille, n'est-ce pas? Tu dois être malade. Je suis malade. Tu ressens quelque chose pour elle, n'est-ce pas? Tu n'as jamais besoin qu'on t'aide pour tes dossiers, jusqu'à ce que tu la rencontres. Ralph, tu as même poussé le bouchon aujourd'hui quand tu m'as embarrassé devant une simple nounou. Tu sais quoi? Si tu remplissais ton devoir d'épouse, tu ne serais pas si mal à l'aise. Eh bien, qu'est-ce que tu as fait? Tu as délégué toutes tes tâches à une nounou. Et tu veux maintenant m'accuser de... coucher avec elle. C'est exactement ce que je suspecte. Tu couches avec elle. Ne le nie même pas. Tu sais quoi? C'est de ça que je te parle. Si tu faisais simplement ton devoir de femme mariée, tu ne serais pas aussi mal à l'aise. Mais non, tu ne t'occupes pas de ton mari. Tu ne m'offres pas ton corps. Oh non, ton corps est trop important. Donc maintenant, une simple nounou te met mal à l'aise et tu trembles dans ta propre maison. Une simple nounou, une fille que tu payes. Tu n'as pas honte. Donne-moi mon stylo, je vais continuer de travailler. Je ne te crois pas. C'est ton problème. Tu dois commencer à manger des trucs comme ça. Oui. Tout le temps, le sang. C'est très bon, goûte. Où est cette fille? Sylvia? Sylvia! Oui, madame. Madame. Apporte-moi son biberon. D'accord, madame. Essaye. Ma puce, essaye. Tenez. Écoute. Je vais presser mon lait et mettre ici. Oui, madame. Plus tard, tu la nourriras. Elle doit arrêter de prendre le lait maternel, hein? Oui, madame. Mais... n'essaye même pas d'aller raconter cela à mon mari. Oh, non, madame. Je t'appellerai quand j'aurai fini. Ok. Laisse mes seins.
Monsieur. Mmh. Votre repas est prêt, monsieur. Merci, merci. Donne-la. D'accord, monsieur. Viens là, mon bébé. Oh. Pas tcha 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 tcha. Dada, bébé. Sylvia. Monsieur. Sais-tu que les résultats de notre travail ont été superbes? Vraiment? Le projet a été approuvé et c'était vraiment super et très magnifique. Waouh. Oh oui. Et je crois que cela pourrait me valoir une promotion car ils ont adoré. Vraiment? Tout dépend maintenant du directeur, mais je voudrais que tu saches que c'était superbe et que tu as très bien bossé. Waouh. Je suis heureuse d'apprendre cela. Félicitations, monsieur. Félicitations. Oui. Mais tu mérites la même augmentation que moi. Félicitations à toi aussi. Non, ce n'est pas important, monsieur. Ça l'est, ça l'est. Et je... Il y a quelque chose dont je voulais te parler. De quoi? Je pense que tu mérites une augmentation de ton salaire. Quoi? Oh mon Dieu. Quoi? Voyons. Oh, monsieur, je ne vous ai pas aidé pour de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Je me suis dit que vu que j'ai gagné quelque chose dans ce projet, tu as droit aussi. Oh mon Dieu, merci beaucoup, monsieur. De rien. Je voudrais que tu fasses ici. Viens t'asseoir avec moi, je travaille sur un projet. D'accord, monsieur. Cela s'ajoutera à ton travail de ce mois, car ceci est un très très gros d'accord, projet. D'accord, monsieur. On va bosser dessus ensemble. Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. Ok. Oui, j'ai déjà inséré les formules, donc il ne reste plus qu'à insérer les données dans les questions et devoir très bien les analyser. D'accord, monsieur. Bonsoir, madame. Tu pensais que je n'allais pas le savoir? Tu rigoles plus que ce que tu es payé pour. Madame, ce n'est pas du tout cela. Est-ce que pour toi, j'ai l'air de ressembler à une idiote? C'est le cas? Donc, tu veux mon mari? Hein? Toutes ces choses que l'on raconte sur les nounous sont vraies, n'est-ce pas? Tu lui réponds, oui monsieur, mais tu sais que tout au fond de toi, tout ce que tu veux, c'est l'attraper et être dans ses bras. Madame. Juste ferme-la et épargne-moi toutes ces explications. Allez, va à l'intérieur, ramasse tes affaires et pars de chez moi. Tes services ne sont plus nécessaires, ok? Je te payerai ton salaire et toutes les primes que je t'ai promises. Juste pars de chez moi. Madame, s'il vous plaît. Est-ce que tu vas... Madame, est-ce que tu vas sortir? J'ai besoin de ce boulot pour mon mémoire, s'il vous plaît. Va mettre tes affaires hors de ma maison, sinon je les jetterai dehors moi-même. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. N'importe quoi. Tu veux me prendre mon mari? Juste sous mes yeux. Hey! Et ne me fais pas perdre mon temps. Je n'ai absolument rien fait. J'ai besoin de l'argent que me rapportait ce job. Comment payerais-je mon loyer après ma soutenance? Collis, je suis foutue. Je suis foutue. Ça va. Ça va. Allons. Tu sais, tu m'as encore moi. Si, tu m'as encore moi. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Bébé, tu peux venir vivre avec moi dans ma maison. Tu sais, la maison, c'est grande pour nous deux. Tu es sérieux? Non, nous sommes là l'un pour l'autre. Voici, finis-moi. Merci. D'accord. Maintenant, je veux que tu me fasses une famille. Cesse déjà de pleurer. Et toi, on va t'acheter ta glace préférée. D'accord? Ok. Tout ira bien. Merci. Bon, on va t'habiller. Ok. Lucie! Lucie! Lucie, mais je t'appelle depuis, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Il est déjà 8h30 du matin et tout le quartier peut déjà entendre mon nom. C'est exactement ça mon problème. Il est déjà 8 heures passées, mais je n'ai pas encore pris de petit déjeuner. Où est mon petit déjeuner? Je ne comprends pas. Tu ne connais pas la route qui mène à la cuisine? Ou alors tu as besoin d'une boussole?
Tu sais que tu es cinglé. Peux-tu me dire où est Sylvia? Et pourquoi n'est-elle pas encore au boulot? Waouh, vraiment? Je suis surprise qu'elle ne t'ait pas dit qu'elle ne viendra plus ici désormais. Lucie, tu plaisantes, n'est-ce pas? Qu'as-tu fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait exactement ce que je devais faire pour sauver mon mari. Sauver ton mari? C'est toi, au contraire, qui a besoin d'être sauvé, et non moi. Donc, toi, tu as osé renvoyer une fille innocente pour rien du tout? Vraiment? Oui! Dis-moi, mon cher époux, as-tu déjà vu un mari dire à sa femme « Salut chérie, je te trompe avec la nounou hein? » Tout ce que vous savez faire, c'est regarder vos femmes droit dans les yeux, peu importe à quel point elles sont belles ou sensuelles, et mentir. Donc oui, elle devait partir et elle est partie. Lucie, est-ce que tu t'entends parler là? Tu es en train de m'accuser d'avoir une liaison avec Sylvia? Tu es sérieuse? Mais tu t'entends parler? Mais tu sais quoi? Je ne vais pas me disputer avec toi. Je veux juste manger. Prépare-moi mon petit déjeuner et je l'attends, d'accord? Tu es vraiment impossible à vivre. Petit déjeuner? Ah, ce n'est pas difficile. Que veux-tu manger? Qu'est-ce que tu veux? Tu ne réponds pas? Que s'est-il passé ici? Rien. J'ai juste mis le bébé au lit. Pourquoi la chambre ressemble-t-elle à un champ de bataille de la Troisième Guerre mondiale? Hein? Vraiment? Je ne savais pas que cette guerre avait eu lieu. Lucie, ne me tente pas. N'essaie même pas de jouer à ce jeu avec moi et tu sais très bien de quoi je parle. Faire quoi? Lucie, regarde la chambre! Pourquoi est-elle en désordre? Lucie! Les couches par-ci, les habits de bébé sur le lit, les lingettes, le désordre partout. Et tu es tranquillement assise en plein dedans. Lucie, c'est quoi ton problème? Je venais ici pour manger, mais regarde la chambre. Comment puis-je manger ici? Manger? Boire? Ne me dis pas que tu n'as pas mangé dehors avant de rentrer. Tu dis quoi? Ne commence pas, Lucie. J'espère que mon repas est prêt. J'espère vraiment pour toi que mon repas est prêt, car je veux rien comprendre. Tu ferais mieux de commander quelque chose. Parce que je suis trop fatiguée pour cuisiner. Commander à manger? Oui, Lucie, commander. Lève-toi tout de suite et va directement me faire à manger. Sache que si tu ne le fais pas, tu ne dormiras pas en paix cette nuit. Va me faire à manger. C'est quoi ton problème? Tu passes toute ta journée à la maison, alors que fais-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ouvrir ta bouche pour me dire de commander à manger, alors que toi, ma femme, tu es à la maison. Ah non. Pourquoi tu ne pas cette fois? Toujours agressif. Calme-la, madame. Pourquoi être agressif? Ne peux-tu juste pas t'exprimer sans être... Regarde comment tu m'as griffé. Toutes ces marques que j'ai, ne sont-elles pas assez? Hey! À cause de la nourriture. Un homme affamé est un homme en colère.
Lucie? Lucie? Lucie, oh, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, 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 qu'y a-t-il comment? Dis-moi ce qui ne va pas. Lucie, toute la maison est un foutoir. Et pourtant, toi, tu y es là. Les choses n'étaient pas ainsi quand Sylvia était là. Ralph, ne me compare pas à cette fille. Comment ne pas faire la comparaison, Lucie? Tu ne t'occupes pas de mon linge, je n'ai plus de vêtements à me mettre, les habits de bébé sont dans les parcs. Depuis des jours, la salle de bain est un bordel, notre chambre est un bordel, la cuisine est un bordel, toute la maison, Lucie. Écoute, écoute, écoute. Ne vis-tu pas toi aussi dans cette maison? Tu sais quoi? Mon cher, je crois que je suis la cause de tous ces problèmes. Ah. Oui, je suis fatiguée. Que tu me casses les oreilles, que tu me cries dessus. Lucie par-ci, Lucie par-là, Lucie fait tout de travers. Ça veut dire que tu prends conscience que tu dois changer, n'est-ce pas? Je m'en vais. Que veux-tu? Que veux-tu? Je m'en vais et j'emmène mon bébé avec moi. Tu peux partir où tu veux. J'en ai plus que marre. Va-t'en, pars où tu veux aller. Mais je ne te permettrai jamais d'emmener cet enfant. Ah, ok, oh, sans problème. Va où tu veux aller. Mais je m'en vais quand même. Lucie, fais comme tu veux. Tu m'entends? Je m'en fous, mais tu n'amèneras pas... Occupe-toi d'elle, tout seul. Occupée d'elle. Mais quel genre de femme es-tu? Mon bébé. Ça va aller, bébé, ça va aller. Elle n'était pas du tout ainsi quand je l'ai épousée. Elle était différente et elle était parfaite. Elle était si attentionnée. Je ne sais pas ce qui lui est vraiment arrivé. Coco. Ah. Salut, Ralph. Salut, Rachel. Oh. Tu m'as l'air très épuisée. Mon frère, c'était terrible. C'était très stressant. Le travail ainsi que le fait de devoir s'occuper de ce bébé. Ah, tu m'as déjà vraiment beaucoup bébé. Calme. Viens là, viens, viens, bébé. Ralph, je dois rentrer chez moi. Dada Pouchouchou. J'ai vraiment besoin de concentration au maximum. D'accord. Rachel, écoute, je sais que tu m'as énormément aidé, mais j'ai encore besoin de ton aide. S'il te plaît, donne-moi encore un peu de temps. Tu me comprends? S'il te plaît. Tu sais quoi faire? En vérité, je ne sais pas. Mais je trouverai une solution très bientôt. J'ai juste besoin que tu m'aides encore un peu à la garder. Ok, c'est d'accord. Ouais, tu vas manquer. Il faut que je... Dada bébé, tu vas manquer à papa. Sylvia, tu es superbe, ça fait longtemps. Oui, merci beaucoup, monsieur. Wow. Tu n'es pas mal non plus. Merci. Eh bien, en fait, je t'ai invité ici pour... parce que j'ai besoin de ton aide. D'accord, monsieur. Lucie n'est plus à la maison, elle est partie. Oui, nous nous sommes séparés et... ça n'a pas été facile pour moi de prendre soin du bébé tout seul. J'ai dû appeler ma grande sœur Rachel pour venir chez moi et m'aider avec le bébé, tu sais. Rachel a, elle aussi, sa propre vie. Elle est une personne très très occupée. Donc je ne peux pas la forcer à rester chez moi et à prendre soin de mon bébé. C'est le pourquoi j'ai donc décidé de te chercher pour te demander de bien vouloir revenir travailler à la maison. Je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Je sais que ça fait très longtemps et tu as probablement d'autres choses à faire, mais... j'ai vraiment besoin de ton aide, s'il te plaît. Reviens. Et aide-moi à prendre soin de ma fille. J'ai vraiment besoin de toi aussi à la maison. Monsieur, je ne peux pas revenir chez vous. Votre femme était si méchante avec moi lorsque j'étais là-bas. Et vous le savez. Je le sais. Je le sais. Et permets-moi de te demander pardon pour tout ce qui a bien pu se passer. Je t'en supplie. Tu sais, être en couple, ce n'est pas facile. J'avais les mains liées, j'ai essayé de te protéger, mais je ne pouvais vraiment pas en faire plus. Je suis vraiment désolé. Tu sais, je suis désolé pour tout ce qu'elle a pu te faire subir, mais tu sais à quel point je t'ai toujours bien traité. Tu sais que moi, je te respecte. Oui, monsieur, je sais. Mais monsieur, je suis désolé. Je ne peux pas. Je ne peux pas revenir. Je suis vraiment désolé de vous décevoir. Je sais que vous êtes un homme bien. Mais je suis désolée, je ne peux pas revenir. Prends soin de toi, Sylvia. Merci, monsieur. Allô, Sylvia. Bonjour. Oui, je... S'il te plaît,
Pouvons-nous nous voir? Je tiens à te parler. Accepte, s'il te plaît. Je tiens à te parler. C'est très urgent. Oui, on peut se voir au bar qui est près de chez moi. J'y suis même déjà. Je viens juste d'arriver. S'il te plaît. Non, t'inquiète pas, prends ton temps. Ok, d'accord. À plus tard. Oh. Je l'avais bien dit. Cette sale chienne couche avec mon mari. Elle a le toupet d'emménager dans ma maison après tout ce que j'ai bien pu faire pour elle. Hey, merde! Je vais lui donner une leçon qu'elle ne va jamais oublier. Allô? J'ai vu exactement ce que j'avais besoin de voir. Oui. Je veux que vous l'enleviez quand elle sera seule et surtout faites-le bien. Oui. Informe-moi quand c'est fait. Bien. Je te fais confiance. Bye. N'importe quoi. Tu as pensé que tu pouvais faire cela, Lucie. On verra bien. Salut. Bonsoir, content de te voir, Sylvia. Oui, monsieur. Prends place. Merci, monsieur. Sylvia, qu'est-ce qu'on t'apporte à boire? Oh, ça va. Rien pour l'instant. Ok, on peut t'apporter juste un verre d'eau. Non, ça va, monsieur. Ok, Sylvia, je sais que je t'embête beaucoup depuis ces derniers temps. Ah, Sylvia, monsieur, pour ne pas perdre de ton temps, oui, monsieur, je voudrais te supplier une fois de plus, une dernière fois, de trouver la force en toi pour pardonner mon épouse. Je t'en prie. Honnêtement, monsieur, je lui ai pardonné. Ok, et pourquoi ne viens-tu pas à la maison et reprendre ton travail? J'ai besoin de toi. Le bébé aussi a besoin de toi. Monsieur, que penseront les gens de moi, sachant très bien que votre femme ne vit plus avec vous? Sylvia, ne me dis pas que tu vas laisser mon bébé souffrir à cause de ce que penseront les gens. Mais voyons. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, Sylvia, reviens. Si ce n'est pas pour moi, fais-le pour le bébé, cet enfant innocent. Écoute, depuis la dernière fois que l'on s'est vu, j'ai essayé plusieurs nounous. Et aucune d'elles ne semble s'en sortir avec ma fille. Elle pleure presque tout le temps. Et elle ne se calme que lorsque sa tante est présente. Et tu es l'autre personne avec qui elle se sentait si heureuse. Je t'en supplie, s'il te plaît. J'ai besoin de toi pour ma fille. Comment vas-tu? Bien, merci. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Je suis désolée pour tout. C'est pas grave, ce n'est de la faute de personne. Je vais bien maintenant. Je vois. Je croyais que tu allais au boulot. Je t'ai laissé habiller, qu'est-ce que c'est passé? Ralph, je ne me sens pas bien du tout. Je crois que j'ai besoin de repos. J'ai déjà appelé au bureau. Ah, ok. Donc... Ouais. Pas de problème. Je suis revenu à ta rescousse. J'ai parlé avec Sylvia et elle a accepté de revenir ici et habiter avec nous pour prendre soin du bébé. Vraiment? Non, désormais tu es libre de retourner chez moi parce que je ne suis pas sûr que tu veux vraiment retourner chez moi. Franchement, je ne sais même pas qui est ce mec avec lequel tu bavardes. Avec tous ces mots d'amour. Regarde comment tu rougis. Ah, Sylvia, merci infiniment. De rien, Tata. Tu es une bonne personne. Merci. Tu es très belle aussi. Si, Dieu t'a tout donné. Tu es une gentille femme. Alléluia. Thank you.
Bienvenue, monsieur. Désolé, monsieur. Je ne savais pas que j'ai dormi. C'est pas grave. La maison est vraiment tranquille maintenant. Tu peux dormir. Merci, monsieur. Monsieur, votre repas est prêt. Dois-je vous servir maintenant? Assieds-toi un instant. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Assieds-toi. Bien. Tu sais quoi, je tenais à te remercier. Te remercier pour tout ce que tu fais pour ma famille. Tu sais, ma fille et moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'étais pas dans cette maison. Merci, monsieur. Je suis sérieux. Et je réfléchissais à un moyen de te démontrer à quel point je suis content de toi. Et vu que tu as terminé avec tes études, oui, et tes notes sont excellentes, je pense que demain je parlerai à l'un de mes amis. Il a sa propre structure pour que tu ailles dorénavant travailler avec lui. Oh mon Dieu! Oui, merci, je suis sérieux. Monsieur. De rien, de rien. À condition que je trouve une nounou compétente qui s'occupera de ma fille. Là, je te laisserai partir. Vous trouverez, je vous aiderai à chercher. Ok, donc, c'est ce que je voulais te dire, donc tu peux apporter mon... Ok, rêve. D'accord, monsieur. D'accord. Je vais dresser la table, okay. Monsieur. Da-d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 a-
Vous pouvez allaiter le bébé et toujours garder votre beauté. Vous pouvez cuisiner sans vous brûler. Vous pouvez faire vos tâches domestiques et toujours rester fraîche et jeune. Mais vous n'avez rien compris. Et blessé tout le monde. S'il vous plaît, madame. Sylvia! Même si l'enfant ne vous connaît pas encore, ne la laissez pas souffrir pendant des années. Permettez qu'elle grandisse avec ses deux parents. Comme je vous l'avais dit, c'est strictement professionnel. Il n'y a rien entre votre mari et moi. S'il vous plaît, madame, j'ai aménagé chez vous parce que Tata Rachel est partie. Je l'ai fait pour vous et pour votre bébé. S'il vous plaît, madame, pardonnez-moi. Quand vous m'avez virée, j'ai cru que vous alliez vous remettre en question et devenir une personne meilleure. Mais quand il m'a dit que vous êtes partie, j'ai presque pleuré. S'il vous plaît, madame, écoutez-moi. Vous avez encore toute votre place dans ce mariage. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire à votre mari que vous êtes désolée. C'est tout, madame. S'il vous plaît. C'est trop tard. Non, madame, il n'est pas tard. Je serai avec vous dans tout ce que vous entreprendrez. Je serai là pour vous guider. S'il vous plaît, madame, pardonnez-moi. S'il vous plaît. Ok. Maintenant, laisse-moi fermer ton biberon. Je sais que c'est très, très bon. Ah. Da 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 da. Di 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 di. Da 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 da. Da 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 da. Tu lui ressembles tellement quand tu souris. Elle me manque aussi énormément, tu sais. Tu me manques aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Que s'est passé ici? Monsieur, j'ai vu madame et je... Parce que tu me manques. Et... Luce, bébé, dis-moi pourquoi. J'ai réalisé mes erreurs. Et je suis vraiment désolée. Je suis vraiment disposée à changer pour nous. Pour toi et pour notre fille. Ça va, bébé. Ça va. Ça va. Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez. Bébé. Bébé, s'il te plaît, regarde-moi. Tu me connais quand je suis sincère. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets d'être une meilleure mère et une femme pour toi et pour notre fille. S'il te plaît, pardonne-moi. Oui, monsieur. S'il vous plaît, pardonnez-le. Je suis désolée. Lucie, tu m'as aussi manqué. Tu m'as tellement manqué. Merci, bébé. Viens là. Merci, monsieur. Tu m'as vraiment. Merci à toi aussi, Sylvia. Maman, revenue, d'accord. Maman, revenue. Chérie, tu m'as. Tu m'as aussi manqué, chérie. Maman est revenue à la maison.